avec eux. Et pour nous capables quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et dis-nous en gros, sergent Hubert Philippe, quelqu'un pour le voir avec nous. Dans la dernière sortie, rendez-vous info pour semaine. C'est une semaine qui était chargée dans l'actualité, chargée actualité dans le pays d'Haïti, chargée tout dans l'actualité internationale. Et pendant ce moment, nous avons connu une installation officielle, Premier ministre Gary Conille, avec tout membre du cabinet ministériel dans la ville d'accueil. Et il a pris environ 2 jours pour l'installation qui était capable de faire. Il y a une première installation qui est faite dans la ville d'accueil. Et puis après ça, respectivement, dans le local ministériel. Nous connaissons des problèmes qu'on a dans la question local ministériel. Ou pas même sous en dehors pays, ou quand même nous connaissons côté même. Parce que nous connaissons d'après le rapport des Nations Unies même. Et d'abord, l'autre rapport entre organisation internationale, gang contrôlé, pour te parler, les Nations Unies te parlé de 80%, mais les plus que 80% qu'on y a, et qu'on y a un texte qui a sorti, il dit que il a presque contrôlé toute capitale. Ceci dit que, il pas gain, gouvernement pas gain les coups de franche, il pas capable n'importe qui côté. Donc, c'était un gros causé semaine ça, et qu'on y a, c'est vérité sous tabou. Équipe Gary Conille li monté sous pouvoir et ont commencé à prendre des décisions et qu'on y a équipe intérimaire là aller qu'on y a fait place pour équipe et Gary Conille avec nous connaît que gagne 18 ministères gagne 14 ministères 14 ministres gagne 10 filles avec 10 garçons avec 4 filles mais gagne l'autre nomination encore qui fait grand pile l'autre surprise qui fait dans la question de nomination, donc c'est ça la politique à la mode de chez nous. Et gagner l'autre nomination qui fait encore n'absurde. Bon, ça nous capable de signaler, c'est que hier, Premier ministre Gary Conille a participé à une séance de travail par rapport à la saison cyclonique là, qui commençait depuis le 1er juin qui s'est passé là. Donc, Dr. Gary Conille a pris avec l'équipe, non seulement l'équipe gouvernementale, mais tout, et organisation qui est attachée à la question. Et secours, désastre, secours et autres. Puis, ouais, est-ce que si le pays est frappé par un cyclone ou une catastrophe naturelle, est-ce que nous avons répondu pour nous capables de faire face à lui-même? Donc, c'est en gros, et ça, Dr. Gary Conille a participé là-dedans hier après-midi. Et là, bon, reportage puis devant sous question ça. On nous parlait de l'actualité internationale, là, gros événement dans ce moment-là. Et bon, un événement qui est très particulier, qui, c'est Washington. Washington a été accueilli l'ancien président républicain Donald Trump qui était paraît dans le Capitole là. Et bien, c'est la première fois qu'il retourne dans le Capitole là après gros déblosage. Ça, en plus, monde les insurrections qui étaient faites dans le moment que vous avez confirmé la victoire de Joe Biden dans l'élection 2020. Et bien, 6 janvier 2021. Un déblosage qui était fait et jusqu'à présent c'est en question que l'Amérique pour qu'on finisse digérer l'Amérique a vivre toujours parce que toujours dans tribunal toujours une discussion qu'a fait sous lui et on rappelle souvent et nous voyons que ancien président Donald Trump était paraît dans Capitol Hill là n'a parlé de congrès américain et ben ça objectif lui c'était une invitation qu'elle te recevoir et après républicain yo qu'on y a étudié stratégie non seulement pour reprendre la Maison Blanche, ça veut dire que dans l'élection novembre 2024, là, pour Donald Trump, qui a pratiquement ou capable de représenter le Parti républicain dans l'élection, ça y est, ben pour reprendre le pouvoir et pour consolider les forces en dedans et Congrès américain. Donc, il y a une pile stratégie, une pile causée qui parle, une pile la main qui bat. Bah, il y a un pile rappel tout qui fait. Parce que il y a des gens qui ont une position X et je dis à une position Z. Donc, les journalistes eux-mêmes dans le travail, ils ont rappelé ça. Donc, c'était un grand moment et c'était un élément fort dans l'actualité aux États-Unis. Côté, nous avons un gentil Augustin Junior qui était lui-même sous place pour te faire nous vivre et causer cela. Donc, c'était avant-hier après-midi. Et puis, gros nouvelle là, c'est G7 là. C'est une grosse réunion qui fait dans Apulia, dans zone, dans tout près en ville, les Barry. Mais c'est un resort, dans côté que luxueux,
gros bagay, eh ben pays, sept pays qui plus industrialisés dans le monde, yo, eh ben yo t'es là, t'es gan pile invité spécial dans occasion G7 ça. Et invité spécial au premièrement c'est à na retourner sous lycée et pape François qui était là, c'est première fois on pape et a participé dans réunion comme ça. Bon, nous imaginez nous que la fête en Italie. Et ça nous capable capable en dans sommet ça, eh ben nous t'es capable que tout leader G7 ont gagné aux yeux fixés premièrement sur les deux guerres. Et on a parlé de guerre et invasion de la Russie dans le pays Ukraine et puis guerre Israël à Massa. L'autre point encore c'est la Russie. La Russie, il dit que l'invasion le fait dans le pays et Ukraine et puis gagné et Volodymyr Zelensky président ukrainien qui s'était invité spécial. Il rencontré avec un pile monde dans des rencontres bilatérales, notamment ici un accord de sécurité avec Joe Biden, président américain. Il rencontré tout avec Pape François et il a parlé, il a discuté et après réunion, Zelensky dit que il était content de discuter avec chef l'Église catholique là, notamment il a discuté sous invasion la Russie. Dans le pays Ukraine, ils ont discuté sur salaire les terroristes aériens, ça veut dire offensive aérienne que la Russie a fait dans le pays Ukraine. Et puis tout, ils ont parlé tout de et sommet qu'a fait Konya là, un sommet ça le sommet la paix qu'a fait dans le pays la Suisse. Faut dire que Volodymyr Zelensky déjà dans le pays la Suisse côté que là il participé dans le sommet. Il y a un autre élément très important qui était dans mi-temps yo. Et c'est question de la Chine. Yo, non seulement yo critiquer la Chine d'est-ce que l'a soutenu la Russie dans l'invasion que l'a fait dans le pays Ukraine, mais yo critiquer la Russie de la Chine plutôt d'est-ce que l'a utilisé exportation que qui fait il pas fait dans les normes, il pas respecté éthique internationale yo, et tout leader G7 yo même yo gen yeux fixé sur deux pays ça, la Chine comme un pays qui a fait transaction commerciale mondiale dans non respect des normes, et puis avec la Russie tout yo même que yo estimé qui a fait une invasion et yo même saisi bien yo et 50 milliards de dollars que y a bail la Russie bon gagné entente qui fait sous ça pendant sommet G7. Mais pendant sommet G7 là tout gagné jodia et Pape François qui prend la parole. Pape François prend la parole côté que lui mandé pour contrôler question intelligence artificielle et pour yo il dit un conflit armé comme ça. Un conflit armé côté que grand pile coup d'âme cap tiré, il dit que li pata doit utiliser ça les armes autonomes létales. L'état là debout elle qui va tuer monde. Donc il dit une machine pas de droit jambe choisi pour le capable retirer la vie yon chrétien vivant. Donc yon l'autre fois encore et gagné Pape François prend la parole contre question intelligence artificielle là, et c'est gros discours journée. Nous connaît pratiquement c'est pour le dernier journée, demain pour le gagner ça ou les déclarations et yon toujours une déclaration et finale que vous fait dans fin et G7 là. Donc Pape là te prend et la parole. Donc faut nous dit que grand pile rencontre qui fait et, par exemple, on a signalé que il y a une rencontre qui fait par exemple entre le président Joe Biden avec le premier ministre italien Giorgia Meloni. Il y a tout et Pape là qui rencontre avec Mounsayo, directeur général Fonds monétaire international Kristina Lina Georgieva. Il y a un président ukrainien tout qui rencontre avec Pape là, me dit nous déjà. Le président français Emmanuel Macron qui fait une rencontre tout qui parle avec Pape là. Il y a Justin Trudeau du Canada qui au même tout. Et puis pas oublier tout Avel Milei qui n'a discuté qui n'a problème actuellement là dans le pays avec gros manifestation qu'a fait pour réforme que l'a fait yo. Bien que depuis le monté sous pouvoir c'est première fois que joine un gros soutien comme ça dans mes parlement. Donc monsieur en grande difficulté, mais monsieur pas démordé, il avait dit il pas quitté ça l'a fait programme que le gagne et programme austérité que le gagne, et ben lui même l'a suivi. Il dit que c'est comme ça pour faire payer. Donc, monsieur tout est en Italie et monsieur était rencontré avec
et Pape François pas il pas pas gagne une rencontre bilatérale vraiment mais il était fort rencontré dans couloir là il était fait tête collé de Argentin bien que nous connaît il y a une histoire ensemble parce que Milé était critiqué et critiqué en pile mais Gela était réconcilié parce que Milé a visité Pape là dans Vatican et qu'on y a rencontré en Italie et dans sommet et G7 et puis l'autre fait que nous capable signaler c'est que gagne un président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même qui rejeté avec un pile force une proposition que président Ouslav Vladimir Poutine t'a fait pour lui-même pour t'a céder une partie dans territoire. Il dit que son ultimatum tant que Hitler t'a fait parce que Hitler t'a fait tout dans question Tchécoslovaquie à côté de manquer on mandé au parti Tchécoslovaquie. Il dit quoi que lui-même li rejeté ça c'est un ultimatum et dans Jean Hitler t'a fait pour Tchécoslovaquie. Et puis n'a si aller tout que gagne question immigration te vinn sous tapis à tout parce que pas gagne immigration seulement au niveau frontière États-Unis partagée avec Mexique, pas gagne seulement en Amérique latine, mais gagne l'autre immigration qu'a fait tout au niveau l'Europe. Nous connaissons pas quatre pays africains à passer et ben entrer en Europe. Donc question immigration tout il te vinn sous tapis pendant sommet ça. Et puis l'autre point quoi que et nous capable signaler et en nous quitter G7 là bon G7 là pratiquement pral fini demain pral gagner yon déclaration finale mais gen agence de presse qui gantan joindre plus ou moins et qui gantan joindre plus ou moins et texte là ça ou le draft là projet de déclaration finale là li même li gen la donne c'est même bagaille gen la donne c'est déclaration finale côté que groupe là à part de groupe G7 là on dit que dans G7 là gon paquet l'autre monde qui était et notamment gen Kenya tout. Kenya nous connaît qui va prendre tête force multinationale là en Haïti il était présent tout. Donc c'est pour dire nous gon paquet monde qui était là on paquet monde qui était là dans cause. Donc on dit dans déclaration finale là c'est équipe leader G7 qui dit à mettre ensemble pour combattre un paquet de bagaille. Non seulement yo veulent combattre question la Chine, Jean l'a fait transaction commerciale, yo, yo vle combattre tout un paquet hégémonie qui gagne, yo parlé de ça yo relé en français résilience économique pour battre une résilience économique. Donc c'est autant de points qui prend dans déclaration finale là, c'est toujours un grand moment, c'est toujours un moment de grande rencontre et avec les grands de la terre et avec représentant sept plus gros pays, nous t'es capable président Joe Biden naturellement, nous t'es capable Justin Trudeau du Canada, Emmanuel Macron et de la France et nous t'es ouais l'autre monsieur tout gain co-responsable Union européenne, tout t'es là non gros rencontre ça c'est la rencontre vraiment des grands qui t'es gain et nous t'es dit que deux gros invités c'est d'abord Pape François qui était c'est première fois ça c'est l'histoire c'est première fois on pape et prend la parole dans gros réunion ça et puis tu gagne tout Volodymyr Zelensky qui pratiquement dans toute grande rencontre internationale presque et parce que gagne le baladin mais en général toute plus grande rencontre internationale et que l'Occident a patronné et ben il a dans tout et donc il était là et il gagne quitter l'Italie pour virer à côté là la Suisse. Là, on nous connaît que la Suisse partagée en frontière avec et avec l'Italie. Il y aurait les mounsaou les Tessinois, moun Suisse qui est dans la zone Italie ça. Donc la Suisse apprend à grand pile gros moun qui gros autobre gros personnalité cap nan rencontre ça. Et font dit tout que le président Joe Biden lui-même et il dit à l'âge 81 l'année, monsieur a fait de grandes navettes, monsieur était en France là pour le 80e anniversaire débarquement Normandie de D-Day. Et puis qu'on y a même se retourner encore pour G7. Donc monsieur a voyagé en pile à 81 l'année, il faut le faire. Et puis il y a un autre point qui domine l'actualité pendant ce moment, c'est premièrement faut nous ranger ensemble. C'est premièrement et gagner un bateau et une frégate et russe qui dans zone Caraïbes là, il va faire des exercices militaires et il y a plus ou moins beaucoup de qui dans la zone Cuba. Et dans le moment, nous avons parlé là tout, il y a un sous-marin
l'armée américaine qui a accosté dans Baie Guantanamo. Il faut dire que le département d'État, Pentagone, dit que l'exercice ça ne va pas représenter un danger. Il ne va pas représenter un danger pour les États-Unis. Mais il arrive que, et pour les gens qui ont observé, bon, premièrement, on frégate avec un navire et avec toute capacité nucléaire qui entrait dans la zone qui arrive à Cuba. Et c'est dans le même moment ça tout que les États-Unis, les mêmes, ils ont un sous-marin qui a accosté dans Baie Guantanamo, dans Cuba, dans le cadre d'une démonstration de force. Ils ont dit pendant plusieurs bateaux, la guerre russe entrait dans Cuba pour faire exercice militaire pour plan, qui ont été planifié dans les Caraïbes. Et il y a une position qui a gagné, commandant sud des États-Unis qui fait qu'on est sous-marin USSS Elena, qui est un sous-marin à force nucléaire, et bien, est arrivé dans la base américaine dans Cuba hier jeudi. Et il a dit déplacement fait. Yon jou après yon frégate russe, yon sous-marin qui a des capacités nucléaires, yon pétrolier à qui yon remorque secours, te traversé, entré dans de l'eau là avant, après exercice que te fin fait dans l'océan Atlantique. Donc, c'est débat pour nous suivre de très près. Et puis, autorité Pentagone dit exercice la Russie, pas présenté aucun problème pour les États-Unis. Donc, en gros, et c'est ça nous avons. Et comme nouvelle, nous connaissons dans la région Moyen-Orient, eh ben, il y a toujours un problème et Israël a massa malgré tout que ils ont fait des pas en termes de négociation, bien que ils pourquoi abouti, mais ils ont fait des pas pour négociation qui a dû faire entre Hamas avec et pays Israël. Mais toute bagarre ça a fait pendant que Israël dit Netanyahu, Benjamin Netanyahu qui c'est premier ministre. Et Israélien dit son seul bagaligan lui-même c'est exterminer Hamas et côté pour le finir c'est ratiboiser Rafah. Donc c'est en gros ça nous te gain pour jodia comme information et moun ki remen boulyo yo pral gâter avec deux grands championnats très qui provoquent pile passion. N'a parlé de Copa América d'une part et puis Coupe d'Europe d'autre part. Dans Coupe d'Europe là pral, c'est sûr que on va le suivre. Il y a Kylian Mbappé, spécialement après que le film quitte Paris Saint-Germain, qu'on a son joueur Real Madrid. Et puis nous allons suivre tout. Et Vinicius Junior, qui a joué tout dans Real Madrid, mais qui va jouer pour le Brésil. Et qu'on question de ballon d'or dans l'air. Donc, il y a pile raison pour nous suivre de très près. Et compétition Sayo, deux grandes compétitions, Copa América et puis Coupe d'Europe des Nations. Donc, nous pratiquement arrivés là. Merci pour tout le monde qui était branché dans le live là, dans le live tout chaud. Merci, nous content, ça fait nous un pile plaisir. Nous demandons toujours continuer et brancher, toujours continuer avec nous. Et parce que nous avons une nouvelle boue, nouvelle qu'on est capable de faire confiance. Nous remercions tout le monde qui était branché. Nous souhaitons nous passer un bon week-end. Et pas oublier à 4h tapant, nous allons gagner Jean-Aubert Philippe qui pourra présenter nous dernière édition et pour ce maintenant de Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir, l'autre fois encore, pour nous souhaiter nous tous passer un bon week-end et puis prendre précaution, partager, qu'aimer joie et partager avec l'autre. Qu'aimer le sourire parce que ça fait du bien et puis l'orgue et la joie, partager avec l'autre monde et comme ça, on va changer humeur le monde, et bien le monde va sentir mieux. Et puis, pas oublier, mois de juin, son gros mois lié, son mois spécial lié et donc. En nous étant dans le mois de juin, nous pratiquement arrivés dans mi-temps du mois de juin et en nous continuer à être dans le mois de juin. Et il faut un chaleur ici. Le conseiller français qui trouvait l'autre bois dans l'Ukraine l'a traité tant qu'au ennemi de guerre. Tant qu'au ennemi de guerre. Donc voilà, c'est comme ça a été. Et puis, actualité aux États-Unis, c'est décret exécutif que le président Biden signait mardi 4 juin. Côté li mette restriction sur quantité moun ka vin mande asile aux États-Unis à partir de frontière États-Unis partagé avec Mexique là et côté tout li ouvre une possibilité pour fermer frontière chaque fois que chiffre là quantité moun ke kembe qui cherche à traverser frontière illégalement et bien chaque fois chiffre là t'arrive 2500 et bien administration la ferme frontière. Et pendant 2 semaines, ou bien encore pendant 14 jours, et jusqu'à ce que le chiffre-là descende à moins que 1500 par jour,
et les ça alors dit moyenne ça sous toute ligne frontalière là qui gagne 9 points d'entrée et bien jusqu'à ce chiffre ça descend les ça fonce après l'ouvrir encore pas grand et qui nouveau parce que c'était une proposition de loi que déjà ce que le Sénat a essayé de préparer et alors républicain tant que démocrate était s'est préparé dans congrès ça gagne pratiquement plus que une année et justement qui t'a bail président Biden et droit pour les faire une frontière les y arriver leur quantité de monde qui arrivait justement et arrivé dans limite ou bien dépassant certaines limites pour te faire une frontière mais et ancien président Donald Trump est intervenu et il a réagi négativement pour dire que non et proposition là ça pas bon parce qu'on a demandé et républicain yo pour yo combattre parce qu'il dit que si nous passer loi ça son cadeau n'a fait administration Biden non ben n'a fait président Biden qui c'est candidat ou pour et qui cherche un autre mandat et lui même tous les candidats pour retourner dans maison blanche donc il dit si nous fait son cadeau n'a pas donc pas passer donc effectivement pour républicain écouter et yo combattre position là. En tout cas, dans la déclaration du président Joe Biden fait hier dans la Maison Blanche, non, eh bien, lui-même, lui dit que, il était attendu que, à ce que les républicains n'aient pas le travail avec lui pour résoudre, pour mettre sécurité sur frontière. Mais il remarquait que c'est pas ça qu'a fait. Alors, étant donné que ça n'est pas ça qu'a fait, donc, il fait cavaler seul et il prend des décret exécutif. Là, je rappelle que tout décret exécutif capable d'éliminer avec un autre décret. Par exemple, le président Donald Trump a un même décret que le déprend, Biden qui pouvait interdire une série de monde venir aux États-Unis. Parmi eux, il y a le décret musulman, mais il y a une série de même européens, tout pas de cap venir aux États-Unis, surtout dans la période Covid-là, et bien, il a interdit de venir. Et bien, le président Biden a monté, il a pris l'autre décret, et bien, il a mis le décret ça à côté. Donc, ça veut dire que si le président Biden était sous pouvoir, bon, ça a toujours été, mais si le président Biden a perdu l'élection 7 novembre 2024, et bien, le président Donald Trump qui pas jamais caché son sentiment anti-immigrant, il n'a pas eu un problème pour lui faire. Donc, le décret ça a licencié en application. Si en moyenne, je dis à la, que l'autorité et garde frontalière et l'État de juin, ils ont mis sur 2500 monde, eh bien, immédiatement, la frontière a fermé. Cependant, que le président a un aspect humanitaire qui a dans le décret ça, tout. Aspect humanitaire, ça veut dire que les gens qui n'ont pas concerné, que les gens pas affecté, par exemple, mineurs, tout le monde qui a moins que 18 ans qui vient sur la frontière sans parents, ils n'ont pas affecté. Les gens qui prennent rendez-vous, à travers le programme, les programmes CBP One, qui prennent rendez-vous pour venir à l'asile frontière, ils ne sont pas affectés. Les gens qui ont urgence médicale, ils ne sont pas affectés. Et les gens qui sont victimes de. Et les gens qui ont fait. Casser pour être, les gens pour prendre la haine en main, pour faire entrer sur la frontière à tout. Mais juste ça, ils ne sont pas affectés autour. Donc ça c'est aspect humanitaire et puis tout si vous arrivez sur frontière tout c'est un problème asile vous demandez parce que vous dites depuis c'est conseil qu'un BO et ben ou pas éligible pour demander asile et ben si vous capable monter vraiment gros peur vraiment peur que pas retourner ou pas monter on peur que les ça capable prendre en considération et qu'un besoin donc son mesure qui fait en pile par en pile et public qui réagit. Et puis, il dit que mes son cadeau, mais ça, il pas gagné là-dedans. Il pas, par exemple, réappliqué mesures que ancien président Donald Trump te mettait sous pied. Et là, il était sous pouvoir à côté, il était au Mexique, ça, avec l'ovinement d'asile. Officier d'immigration retourne au Mexique pour en attendant, il a analysé le dossier, pour l'eau. Li pas tout limite, li pas bay autorité ou bien encore agent frontalier ou moyen pour yo contrôler quantité migrant kap vi, bien que l'administration dit que, y a pral augmenter quantité juge, quantité officier immigration, quantité juge qui pourtant des moun yo, et puis après dit, transit temps prend pour tendre au monde qui vient demander asile, y a cherché réduire le plus à, et plus vite que possible, et puis qu'on processus rapide, sous pas qualifié pour yon déporter, ou bien retourner au Mexique, ou bien voilà, yon voilà dans le pays d'origine. Ça, c'est ça, président. Mais le républicain dit non, il parle ça là-dedans, et puis il pas bah, moyen tout pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui viennent demander l'Asie frontière depuis le président Biden, précisément, et en 2021.
et donc pas de moins ça donc républicain jeté bah ça plat coutu yo voyez jeté et en ça c'est réaction républicain yo qui quelques républicains en fait leader républicain dans congrès gain tout une coalition qui a encore des militants qui défendent droit immigrants yo et parmi yo gain Hichène Brizalaens gain congrès tout député surtout qui sorti dans district électoral côté gain en pile immigrants là-dedans qui se soit dans Chicago qui se soit dans Massachusetts et alors on a parlé Illinois ou bien dans Massachusetts ou bien l'autre côté ou bien Minnesota et bien groupe congressman ça a été réuni tout près congrès devant congrès hier après-midi pour être réagi et au moins non seul bagarre au moins d'administration que mais juste ça dit pas aider dit seulement contribuer à plus problème toujours parce que le papoté aux solutions donc au moins d'administration au lieu pour empêcher monde venir demander asile parce que les États-Unis réputé comme côté qui censé et aider monde chercher cap chercher protection. Je dis que ça, c'est ça, le fait, c'est écarter la pécarté mon hôpital. Donc, il m'a dit que ça sont pour retourner sous décision. Et il m'a menacé. Il dit que s'il pas retourner sous décision, ben, il va aller dans le tribunal. Jean que j'ai fait déjà sous administration Donald Trump, là, tout l'été pas mis du sérieux, bien, il dans le tribunal avec. Il y a plusieurs monde qui témoignaient. Et c'est monde qui était entré dans le pays illégalement, avec parents, un parlementaire, un député, qui sorti dans Chicago. Il y a un autre parlementaire qui lui-même c'est un réfugié, qui est entré ici aux États-Unis comme réfugié, avec parents. Et lui-même tout, il parle tout. Et puis il y a LGBT. LGBT, c'est bon. C'est mon garçon, ma commère, mesdames, mon compère. Alors, pas que mesdames, non. Alors, c'est groupe, il représente garçon, ma commère, avec mesdames, mon compère. Avec l'autre monde, le bisexuel, ou bien encore monde qui straight monde qui même monde qui groupe ça il était parlé tout et même il dit que et mais juste ça il détruit au lieu que il résout problème là donc c'est des réactions et groupe une autre réaction encore c'est et gouverneur et député magistrat monde qui censé sortir sous frontière et qui connaît problème immigrant yo. Et bien, il était tout dans la Maison Blanche, il était sur invitation, puis il était venu, et il était pas là avec la presse, côté que, pour même mieux dire que, parce que, c'est un pas dans la bonne direction. Même si, au fond, il pas résout le problème, là. Problème crise migratoire, là, ou bien, ce problème sécurité sur frontière, là, pas résout. Dès qu'il n'y a pas résout, parce que ça va pas empêcher, le monde continue à venir, le monde continue à venir. Parce que je dis, à comparer à 2015, 2016, là, par exemple, t'es gagné, c'était immigré, t'es contre ceci en Amérique latine, non, ça a été les triangles, eh bien, bon. Je dis à gagné immigré, c'est sorti plus loin que ça. Bah, la vie nouvelle net, et gagné immigré, c'est sorti en Europe. Par exemple, en Ukraine. Gagné immigré, c'est sorti en Afrique. Gagné immigré, c'est sorti en Asie. La Chine. Inde. Même si t'es quelque ça, donc, chiffre là, li dépassé je dis et Mexique censé qui c'est censé pays voisin qui facile pour que immigrants arrivent eh bien Mexique lui même tout li dit pas rakembe li gon nouveau président son femme et en pile monde espère que li pral essayer contrôler flow immigrants parce que c'est une bail que administration travail ça avec Mexique pour contrôler flow immigrants qui arrivent sur frontière donc si Mexique capable contrôler eh bien ça capable gagner moins nous qui arrivent sur frontière eh bien bon. Donc, quand c'est immigrant, ça y est, le chiffre n'a pas résolu. Donc, c'est ça que, par député, ou bien encore, magistrat communal, il faut qu'on ait que 10 points. Mais, il croit qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Donc, ce point ça, m'a pris pour me retourner sur le dossier ça, parce que hier, j'étais dans la Maison Blanche, j'étais fait un reportage. Et justement, j'étais, en bref, ça que t'es dit, mais je pas allé en profondeur. Je dis, je suis en profondeur, côté nous, il faut attendre. Voit tout le monde tout qui concerne et qui parle de dossier. Il y a tout, et l'Agence des Nations Unies pour réfugiés, tout, qui reconnaît que c'est droit aux États-Unis qui pour le contrôle des frontières. Mais il dit que, mais juste ça, il peut empêcher et monde cap chercher, il va chercher monde cap chercher et protection internationale, empêcher aux jeunes accès, puis ils font demande de, comme réfugiés aux États-Unis. Donc, c'est réaction à l'Agence de l'ONU pour réfugiés, au fait sur question-là.
C'est tout bas ça. Donc, on a parlé tout avec Galine Joseph, qui est responsable de Chine Brise Alliance. Donc, il y a l'autre dossier qui est en cours. Nous pas oublier qu'il y a un dossier là, par exemple, l'administration a fait annonce hier, mais il y a un autre dossier tout qui devant toujours. Il y a des démarches qui ont fait pour même qui ont gardé là, dossier pour le monde qui a un dossier TPS. Là, pour renouveler. Et dossier TPSA ou bien encore là pour considérer, on sait le pays et dans le nouveau programme TPSA. Donc nous pouvons connaître, nous attendons pour nous que l'administration et qui pour faire une annonce pour dire oui ou non la renouveler. Donc second dossier TPSA mon et que l'expiré qu'on y a ou bien permis de travail expiré, bon, rappelons que nous avons dit renouveler permis de travail là en attendant. Ok. Donc renouveler permis de travail là en attendant. En attendant qu'aux jeunes aux jeunes on réponde pour qu'on s'accapare faire etc. Donc c'est ça comme et puis pour monde qui gagne programme qui n'a programme Biden et tout donc nous encourageons tout continuez prendre rendez-vous.